Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Astro Colony. La dernière fois, on s'était arrêté, on avait fait pas mal, on avait quand même pas mal avancé, on avait une bonne base, voyez-vous, on avait une très bonne base. Maintenant, on va essayer de voir là où on s'attaquera justement à la suite des choses. Du coup, on avait toujours nos trucs qui produisaient, donc là, il faudra aller chercher encore d'autres astéroïdes. Donc voilà. D'ailleurs, à tous ceux qui suivent le Let's Play, du coup, c'est pas un Let's Play, mais c'est juste des petites vidéos découvertes. Mais comme je le dis souvent, si vous souhaitez avoir un Let's Play ou autre chose, n'hésitez surtout pas à demander tant que ça intéresse des gens. Et moi, j'adore le jeu, donc je continuerai. Bah là, pour le moment, on va faire en sorte de récolter des petits minerais. On va aller miner un peu à la main, juste pour avancer un peu, tout petit peu. Mais voilà, en vrai. Je vais me lancer bientôt sur un petit let's play, je sais pas combien de temps il va durer, mais c'est un jeu qui me. Via la série Minecraft que j'ai fait là de mon serveur Seigneur des Anneaux, je me suis dit pourquoi pas tester Shadow of War. En vrai, c'est le deuxième jeu de justement du jeu un peu sur le thème de Seigneur des Anneaux. Et franchement, si ça vous intéresse, allez voir dans ma chaîne, je suis sûr que tout dépend quand vous regardez la vidéo, mais la vidéo sera bientôt publiée. Donc. À la base, je suis pas censé miner. Hein. Normalement, si j'aurais envie, je pourrais mettre un troisième robot, du moins collecteur, et ça irait trois fois plus vite. Mais d'ailleurs, j'espère que plus tard, on pourra faire en sorte que ça collecte automatiquement. Que ce soit pas nous qui allions les collecter, mais que ce soit collecté automatiquement. Du coup, ici, bon, on est très bien en vrai. On est très très bien. On va juste aller dans l'inventaire et faire en sorte que. On va peut-être pas automatiquement, mais je vais en demander encore 4. 4. Et 4, comme ça. Ce sera fait. Donc j'ai ça. Ok. Du coup, on va continuer à prendre des minerais. Et le robot qui me pète les couilles. Vas-y, viens ici. Éteins-toi. Du coup, on en est où actuellement là-dedans? Ok, on a pas mal de minerai de carbone qui ne. Je pense pas qu'ils puissent le convertir en fait là, en minerai de carbone. On a pas mal de ça. On a ici, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de barres de cuivre et ici on a un peu de minerai d'or. Je sais pas si ça suffira, mais voilà. Ok, donc il me faut plus de cuivre. Voilà. Voilà. Oh, il y avait un minerai d'or. Non, il va péter. Ah! On est là-bas. En plus, il a masse minerai dedans. Donc là, on n'est pas obligé de les récolter, comme je le rappelle. Ah, il y en a un qui va encore péter le minerai d'or. On n'est pas obligé de les miner à la main, comme je le rappelle. C'est juste parce que j'ai envie d'avoir un petit côté toujours à faire quelque chose. Donc, on va aller voir la technologie maintenant. On pourrait faire l'analyse, capture. Bah, je pense qu'on n'a pas tout construit. Voilà, on n'a pas tout construit. Donc là, en fait, c'est si on souhaite agrandir, en gros, c'est ça? Voilà, c'est si on souhaite agrandir. Ça m'intéresse pas pour le moment. Donc on a un recyclage, on a un générateur d'hydrogène, donc d'hydrogène et de. Ok, et on a un laboratoire pour générer des points scientifiques. Ça, je l'ai déjà mis. Constructeur permet de transformer les barres en. Ça, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Attendez, on va reprendre des minerais.
Si je me trompe pas, je l'avais déjà pris. La foreuse, ça fait quoi? Pas que je le voyais. Je vais essayer de la mettre. Bah, ça demande quoi en fait comme minerai? Bah, j'ai pas le constructeur. Donc, on va tourner. On a besoin d'électricité vers là. Et les minerais doivent rentrer par là. Ok. Donc pour pas que ce soit gênant. Ok. Donc on va mettre là et on verra bien ce que c'est. Là on prend ça. Voilà. Donc là. Efficacité 58%. Donc en fait. Ah ok, ça nous fait nos plaques. Sauf que cette fois, donc en fait c'est la conversion. Attends, il faudrait que je cherche les minerais. Donc, ok, donc lui, ok, donc ça veut dire que normalement quand je construis ça, 4 pour 1. Donc là, ça m'en fait 4 pour 2. Donc ça, c'est très intéressant pour plus tard. Mais il faudra faire attention parce qu'il faudra les amener là-dedans. Donc pour l'instant, ça m'intéresse pas tant que ça. Ça m'intéresse pas tant que ça pour le moment, donc ça va. Regardez ça. Ok, donc on utilise à foison en fait le cuivre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre? Réacteur au carbone, ça on l'a. Un brise-glace. Le brise-glace, on va essayer de le mettre. Ça génère de l'eau. De l'eau, j'en aurais besoin pour là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre là. Là, et l'eau derrière. Donc, les tuyaux d'eau là. Et ça. Donc, voilà. Ok, donc j'ai compris en fait ce que ça fait. Bon, on va aller rechercher ça. Ok. Donc, ça va convertir l'eau là. Donc là, on va prendre ça. Et ça fait ça. Ok. Stocker de l'eau dans la cellule. Et n'oubliez pas de connecter avec des choses. Stocker de l'eau dans des cellules d'eau. Ok, dans des cellules d'eau. Ok, donc, je me suis trompé. Voilà. Donc, ça, on va le mettre là. Et il faut faire des cellules d'eau, donc c'est ça. Ok, il me faut du fer. C'est quoi qu'il me faut? Des barres de fer. Et pour faire des barres de fer, il me faut des minerais de fer. Et j'ai pas de minerais de fer ou quoi? Ah ok, donc c'est le fer qui nous manque en fait à gogo. Bon allez. On va l'enminer. Voilà, c'est de la glace, je le sais, mais de toute façon il va nous en falloir. Voilà.
En fait, là, je suis en train de tester tout. Donc, c'est une petite partie découverte, comme j'ai dit. C'est pas un let's play, c'est vraiment une partie découverte. Donc, je fais certainement des erreurs monumentales. Mais ça me permet au moins de découvrir le jeu un peu à mon rythme. Donc, moi ce que je voulais, c'est ça. Et là, au pire, là, on va faire. Vous devrez pas trop comprendre, mais en vrai c'est juste pour pouvoir stocker un peu l'eau. Par contre, l'eau texturée comme ça, elle est vraiment très belle, hein. Construisez un recycleur et recycler. Ok. On va se concentrer. On va suivre un peu le tuto. On va pas. Donc là, il nous demande un recycleur, donc c'est là. Il nous faut de l'or. De l'or, de l'or, de l'or. Hein. Et pour les barres d'or, on n'y est pas encore. Il stocke où l'or depuis tout à l'heure? Beaucoup l'or depuis tout à l'heure. On va éliminer ça. J'aime bien ce petit mélange entre or et fer. Je pourrais même en rajouter 3 de collecteurs en vrai. Ça va plutôt rapide d'aller chercher les minerais. Donc il va un recycleur. Mais pour le recycleur, il me faut mettre ça là. C'est vrai que c'est moi qui ai collecté l'or à longueur de temps. Et toi, il peut rien en faire ici. Voilà. Donc. On va attendre l'autre barre de trucs. Donc l'or arrive, on va miner ça en viteuf. On dit jamais non de la glace et tout pour éviter de mourir de froid, moins d'oxygène. Du coup, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, là. Donne-moi ça. Donc maintenant, je veux le recycleur. Et le recycleur, vu qu'il faut ramener l'électricité là et que tout doit partir là, on va le mettre. On va le mettre là. Donc 3. Donc toi, il se recycle quoi en fait, toi? Ah, par exemple ça.
Non, ça va. Oh, plus sur l'électricité. Ok, l'électricité. Tu veux savoir quoi? Tu veux tout? Tu veux droit? Barrière d'oxygène. Ok, mais ça m'intéresse pas. Construisez un assembleur de robots. Ok, un assembleur de robots. Il est où le bougrin? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Comme d'hab, les amis, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, laissez un petit, comment ça s'appelle? Un petit like et voilà, ça fait toujours plaisir de se faire bien suivre. Donc ça, on va en faire 4. J'ai dû faire? Moi-même, je suis surpris que j'ai dû faire. Donc. Ah ouais, depuis tout à l'heure en fait ça a converti en fil de cuivre, tu m'étonnes. C'est quand même satisfaisant. Hein. En fait c'est un jeu un peu calme quand même. Hein. C'est pour s'attendre vraiment à être bien réveillé parce qu'on doit s'endormir. Hein. Après ce qui m'intéresse le plus c'est la gestion après de tout ce qui va être population et tout etc. Donc je vais essayer de l'atteindre en fait dans les vidéos, ça va être long certainement, ça va m'apprendre peut-être 3-4 vidéos. Mais c'est ça qui m'intéresse le plus en fait. Donc si vous aussi ça vous intéresse, suivez la vidéo et les séries arriveront petit à petit parce que ça me prendra un peu de temps. Vu que je vais commencer une série à côté, mais je serai votre homme comme on dit. Par contre, c'est vrai que ouais, y a pas d'ennemis. Y a pas d'ennemis, y a rien. Donc après, je sais qu'il y a des trous noirs, il y a ce genre de choses. Donc peut-être que c'est eux notre ennemi finalement. Il s'est pas mal rapproché ça. C'est quoi ça? Ah, ok, donc tu peux miner en fait, ok. Sympa. Allez. Du coup, non, ça devrait être bon. Non, toujours pas. Donc, 5. Ah. Je vais le faire parce qu'on a besoin de davantage de ça que d'autres choses. Voilà. Donc là, on va aller rechercher tout ça. Là. Ça et ça. On va aller. Oh, il m'a fait peur le robot. Assembleur de robots. On va aller le mettre ici.
Oh, on perd en efficacité de plus en plus. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre générateur à carbone. Et je vais le mettre ici. Et là, normalement, on devrait avoir gagné en efficacité. 60%. Bon, c'est déjà ça. Donc. Et eux, ils sont à combien en fait? Ouais, eux aussi, ils ont pâtissent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire encore un. Je sais que je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose de mieux à construire pour générer, mais je me dis que pour le moment, par défaut, je vais faire ça. Je suis en train de mourir d'oxygène, d'ailleurs. Soit dit en passant. L'eau est quasi nulle. Bon, ça c'est quoi? Un ensemble de robots. Donc, avec du plaque de cuivre et des réservoirs d'hydrogène. Donc, ça me fait un transferbot. Transferbot peut transformer des ressources d'un dispositif à l'autre. Ok. Bon, ça c'est pour tiens. On va faire ça. Bah, il me faut un truc d'hydrogène, quoi, en gros. C'était quoi déjà le truc qui faisait ça? C'était ça. Ok, donc ça a besoin de tout ça. Donc, je vais devoir le mettre ici. Voilà. Et l'eau. Voilà. Et donc là, il faut quoi? Minerai de carbone et... Donc il faut du carbone et de l'eau. Intéressant. Donc, on va miner un peu de fer. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être reprendre les bottes. Et peut-être ici, carbone. Et ça, ok. Donc ça. On va te mettre ça. Ça, on va te mettre ça. Et là, voilà. Donc ça, c'est bon. On va récolter l'eau. Et bon, donc là, ça. 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 Et ça. Et il me faut des plaques de cuivre. Donc. Et pour les plaques de cuivre, il faut les faire forcément ici. Que je les mets là. Vas-y, fais-moi des masses plaques de cuivre, toi. On va récolter 7 astéroïdes. On avance plutôt pas mal là d'un coup. J'avance plutôt vite d'un coup pour essayer un peu d'accélérer un peu les choses.
Voilà. On récolte ça. On récolte ça. Du coup, toi, tu m'as produit mes plaques. Je te mets tes plaques là. Ok. Transporteur. C'est quoi ce truc? Ok, donc on peut appeler des astronautes. Ok. Bah, on fera ça au prochain épisode. Donc les amis, si ça vous intéressait comme d'habitude, bah dites-le moi et on découvrira davantage du gameplay du jeu, etc. comme d'habitude. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Astronaut Colony et je vous dis à prochaine. Ciao, ciao, ciao les amis!